Bonjour, avec Jean-Louis Nomikos, nous allons faire des encornets avec des oreillettes au beurre de gingembre. Oreillettes, des pâtes italiennes. Oui, des pâtes italiennes. En italien, on dit comment ? Orecchiette. On a 280 g donc, d'oreillettes qu'on a cuit à l'eau salée, bien sûr, d'une façon classique, hein, et c'est marqué sur les paquets. Là, c'était 18 minutes. Il faut les garder quand même un peu fermes. Hein. Oui, on les garde un peu al dente. Oui. Donc, on les égoutte et on les garde de côté. Voilà. Alors, on va cuire les encornets qui ont été coupés en rondelles, hein, des calamars comme ça, qui font à peu près combien ? Les 3-4 mm. Il y en a combien ? Alors, il y a 400 g d'encornets pour 4 personnes. Oui. Un bon filet d'huile d'olive dans une cocotte en fonte. Alors, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, froide, hein, voilà. L'huile d'olive est froide. Froide, on va mettre les encornets, froid aussi. Ça, c'est la façon espagnole. Hein. Eh oui. Donc, on va assaisonner un petit peu plus tard. Hein. Oui. Donc, il commence déjà un petit peu à se rétracter. Alors, il faut prendre des encornets d'une certaine taille, de préférence. Là, on a pris des pièces d'à peu près 200-250 grammes. Oui. Donc là, une petite gousse d'ail hachée finement. Un petit oignon ciselé très fin. Haché bien finement. Donc on va mettre les pâtes. Oui. On va remuer un petit peu comme ça. Oui. Tout ensemble. C'est pour ça que les pâtes, il fallait les cuire al dente. Hein. Voilà, tout à fait. Oui. Ensuite, on va les retirer du feu. Oui. Et ensuite, on va faire un beurre de citron vert parfumé au gingembre. Alors, on prend un demi-verre d'eau. Oui. Un demi-verre de jus de citron vert. Même quantité. Même quantité. Une ébullition. Une ébullition. Voilà. Ensuite, on va mettre le beurre en parcelle. On va baisser le feu. Baisser le feu, oui. Alors, le beurre doit être bien froid, hein, c'est important. Combien de beurre, Jean-Louis ? Alors, on a mis 100 g de beurre. Donc, on va l'assaisonner de sel et de poivre. Voilà, le sel. Du poivre. Comme du moulin. Et ça fait un beurre léger, hein, c'est pas très gras. Faut pas qu'il soit trop onctueux. Hein. Et ensuite, on va ajouter le gingembre. Du gingembre frais, haché, et la valeur d'une petite cuillère à café. Alors, ça apporte beaucoup de fraîcheur, bien sûr, ça au plat. Ça apporte de la fraîcheur et ça va parfumer. Et le gingembre, il faut toujours le mettre à la fin, hein, parce qu'autrement, il perd de sa saveur. Il perd de sa saveur, oui. Alors, on va reprendre nos pâtes. On va prendre des pâtes qu'on va remettre sur le feu. Voilà. Alors, on va terminer le plat. Donc, on va lier les pâtes. On va rectifier l'assaisonnement et on va... Et parce qu'on n'avait pas mis de sel, hein, sauf pour cuire les pâtes. Sauf pour cuire les pâtes, oui. On va assaisonner de poivre également. Pas mal, hein, de poivre. Hein. Oui, bien relevé. Avec les encornets, c'est toujours bien d'avoir... On sait très bien que les encornets avec une sauce américaine, c'est toujours très bon. Donc voilà, les pâtes sont liées et ensuite... On va terminer avec la ciboulette. Alors, allez, une petite cuillère à soupe de ciboulette ciselée finement. Et là, on a râpé le zeste du citron vert. Oui. Et on va le on rajouter. On a pris un citron vert, on l'a bien lavé, et avec un zesteur, on a pris les petits zestes. Voilà, qu'on a haché très fin. Voilà, un plat déjà comme ça, en entrée, c'est délicieux, et c'est un plat qui revient à environ 3 € par personne. Au revoir et bon appétit bien sûr.